Livre en folie actuellement, probablement est l'événement culturel autour du livre le plus important, non seulement de la Caraïbe, je dirais même de l'Amérique. Je ne pense pas qu'il y ait un événement à travers l'Amérique où on arrive à vendre autant d'ouvrages en une journée. Il y a des événements qui durent 15 jours. Je me rappelle une fois avoir une discussion avec quelqu'un de la République dominicaine. Ils ont une foire qui dure 2 semaines et ils ont été étonnés lorsqu'ils ont su la quantité de livres qu'on vendait au cours de cette 6-9 années, et la folie a beaucoup évolué. Tout d'abord, c'était une simple opération de vente d'ouvrages. Et au fur et à mesure, l'événement s'est développé. On a eu tout d'abord à introduire les conférences aux nouvellistes. On a essayé de donner plus d'exposition aux écrivains. Et dans un souci aussi d'améliorer la qualité du livre, de travailler dans le sens de l'ouvrage, bref, on a, au cours de ces dernières années, il y a eu 2 initiatives innovantes. Tout d'abord, il y a eu l'introduction des bourses Barbeau, et il y a eu aussi l'introduction des prix de la première œuvre. Et ceci, c'est dans le souci de présenter des œuvres de qualité. L'année dernière, les ventes à Livre en Folie, les ventes de livres tournaient autour de 22 à 23 000 livres vendus au cours de la journée. Je crois que la première année, ça s'agissait de 700 livres qui avaient été écoulés, et nous parlons de 20 à 25 000. Et je dois vous dire aussi qu'au départ, il y avait une certaine appréhension des librairies qui voyaient cet événement comme un concurrent sérieux à leur vente. Mais je crois qu'ils ont changé d'avis et qu'actuellement, ils constatent qu'après le jeudi de la fête de l'événement Livre en Folie, les ventes dans les librairies ont tendance à augmenter considérablement pendant les 3 semaines qui suivent. La philosophie du Livre en Folie, elle est claire. Nous ne sommes pas là pour sélectionner, c'est le public qui sanctionne. Il y a des auteurs, malheureusement, qui après une longue journée s'en vont avec à peine 1 ou 2 titres vendus. Mais nous, au niveau de Livre en Folie, nous ne refusons personne. Nous ne sommes pas les censeurs, nous sommes là au contraire pour aider. Et je dois vous dire que combien d'auteurs qui ont eu à produire comme premier homme avait et qui ensuite ont produit des chefs-d'œuvre. Donc on ne sait jamais. Le talent parfois est là, il n'arrive pas à s'exprimer. Le talent mérite d'être prouvé. Donc il y a des cas, peut-être il y a d'autres cas où il devrait changer de métier, c'est clair. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc Livre en Folie est là pour faire la promotion du livre. On n'est pas là pour sanctionner. On doit donner la chance à n'importe qui pour qu'il puisse se faire découvrir de son public. On paye 150 gouttes pour entrer dans Livre en Folie, et on remet quasiment 250 gouttes pour participer à l'événement. Pour qui ça nous vient introduire entre payer dans Livre en Folie, c'est parce que auteur qui travaille, qui fait tout ça pour faire pour présenter le livre, année ça, comme nous avons dit, après 129 auteurs qui ont présenté des nouveaux livres dans Livre en Folie, en plus de l'autre livre nouveau qui fait entre mai année passée et mai année ça, il y a 129 auteurs qui ont présenté, auteur qui travaille, nous avons que chaque grain de monde qui entre dans Livre en Folie tourne à la carrière au moins 3 livres. Parce que il y a la possibilité de payer pour l'entrée, pour la prendre la baisse, pour acheter des livres, pour retourner la carrière avec lui. Parce que le plus événement, ce n'est pas pour nous venir flâner. Bien entendu, dans la conférence, c'est pour nous flâner dans le Livre en Folie. Mais le plus événement, c'est pour l'auteur qui a vendu le livre. Il n'y a pas fait ça pendant une semaine, il n'y a pas fait ça pendant un mois, il fait une grande journée. Jour fait dur. Alors, jour fait dur, soulevez pour venir dans le Livre en Folie, tournez la carrière avec 1 livre, avec 2 livres, avec 3 livres, plus avec 4 téléphones pour parler, pour raconter, le Livre en Folie, c'est bon. C'est ça nous comme proposition que nous faisons à Nessa. Nous croyons que la bombe pour mon capinio, nous croyons que la bombe pour écrivain, la encourager écrivain. Ou pas encourager seulement parce qu'on finit, ou pas encourager tout parce qu'on tourne la carrière avec mon livre. La Yvonne est très impliquée et très engagée dans la promotion du livre haïtien et elle va continuer à le faire. Elle l'a fait en 1993.
Elle est encore présente aux côtés du Nouvelis. Et c'est avec beaucoup de bonheur, comme Max a mentionné, que l'on constate que les sponsors qui nous ont accompagnés dès le début continuent toujours encore de faire route ensemble avec nous. Donc c'est une occasion aujourd'hui pour la Nibok de dire merci à ses sponsors, de dire merci à Max, à toute l'équipe, à Flans, qui nous ont toujours accompagnés, qu'on a toujours fait le chemin ensemble de la promotion et de la présentation de Livre en Folie. Donc, encore une fois, cette année, Livre en Folie est à sa 19e année, est à sa 19e édition. Excuse. Livre en Folie verra sa 20e édition l'année prochaine. Au contraire, la Nibok fête ses 20 ans en 2013. La Nibok a été créée en 1993. Donc, la Nibok espère que cette année, elle pourra non seulement confirmer sa présence auprès de Nouvelis pour cette 19e édition de Livre en Folie, mais la Nibok va encore s'arranger pour apporter encore un plus à l'édition. On aura l'occasion d'en parler peut-être plus en large dans d'autres occasions, mais soyez en sûrs et certains que la Nibok va continuer à faire route ensemble avec les auteurs, avec les écrivains, avec toute la chaîne de production du livre. Écoutez, Livre en Folie commence devant une page blanche. Et c'est des écrivains qui ont donné vie à Livre en Folie à leur façon, parce qu'ils avaient des livres, parce que ces livres étaient restés sur les étagères de trop longtemps, parce que l'imprimeur s'inquiétait d'avoir des livres dans un stock. Livre en Folie a pu prendre naissance. Je vais passer la parole tout de suite à Gary Victor, créateur, écrivain. Ce qui m'a toujours étonné dans Livre en Folie, je crois que c'est ce qui explique le succès de cette initiative, ce n'est pas seulement le fait que le livre soit offert à très bon marché, mais je crois que c'est surtout le fait que le public peut rencontrer les auteurs, le public peut discuter, peut parler avec les auteurs. Parce qu'en Haïti, on a souvent pensé que les auteurs étaient morts. En classe, en terminale, on étudie que les auteurs n'existent plus. Donc, à Livre en Folie, le public, les jeunes surtout, ils voient devant eux des auteurs vivants. Ils peuvent pratiquement toucher ces auteurs, leur demander une fiature, ils voient une pléiade d'auteurs devant eux. Et je crois vraiment que c'est quelque chose d'extraordinaire et de très gratifiant pour le public. Merci Gary. On va tout de suite passer la parole à Pierre-Raymond Dumas. Comme je l'ai présenté tout à l'heure, Pierre-Raymond était journaliste au tout début, auteur déjà. Il était déjà journaliste au lancement de Livre en Folie, ancien ministre de la Culture et redevenu journaliste, responsable de la section culturelle du Nouvelis. Il a une très longue expérience de Livre en Folie qu'il a vu naître et qu'il a vu grandir. Il est certain, sinon il est à mieux de 1000 ans, et relatif à Livre en Folie, le bilan est totalement positif. Dans ce flot de livres, il y a aussi de très mauvais livres, il y a des navets, il y a des catastrophes. Mais l'idée de Livre en Folie, justement, c'est de donner la chance à tout le monde. Parce que ce qui est navet, peut-être pour moi, mais pas pour une autre. Merci à vous tous d'être ici présents ce soir. Je remercie infiniment également le Bureau haïtien des droits d'auteur qui en fait l'initiative de ce panel. C'était une excellente idée. Merci beaucoup, Émilie.